Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, on se retrouve pour l'épisode 10 de la saison 2 du jeu Towns. Dans l'épisode de la dernière fois, j'ai foutu une véritable raclée à mes monstres. J'ai construit, enfin j'ai pas construit, j'ai fait 15 soldats. Je vais reprendre la sauvegarde, comme ça sera beaucoup plus facile pour moi de vous montrer. J'ai fait 15 soldats, je suis descendu au niveau 4 et je leur ai foutu une véritable branlée. Aucune perte, 15 soldats, 15 à l'arrivée, 15 à la sortie. Ben voilà, je suis plutôt content. Je vais vous montrer. Donc voilà, j'avais ouvert ces portes là, vous voyez, j'ai 15 soldats et ils ont tout terrassé. Ils ont tout terrassé, absolument tous les monstres qu'il y avait ici. Aucune perte, ça a été une véritable réussite. Et le problème c'est que, alors j'ai repris la sauvegarde, j'ai construit juste ces quartiers d'habitation pendant que vous n'étiez pas là. J'ai vraiment pas joué longtemps, j'ai dû jouer 10 minutes, juste le temps pour moi de construire ces quartiers d'habitation. Il se trouve que j'ai aperçu ce petit symbole là, en fait mes villageois n'ont tout simplement plus rien à bouffer, c'est la crise. Effectivement, j'ai fait venir pas mal de villageois, j'ai construit pas mal de soldats et j'ai complètement oublié d'agrandir mon système de nourriture. Du coup, on va s'en occuper dans cet épisode, on va essayer de construire vraiment quelque chose d'assez équilibré en termes de nourriture, faire venir encore plus de villageois pour faire 20 militaires et descendre au niveau 5. Voilà, vraiment encore pas mal d'objectifs à accomplir, mais globalement, ça devrait le faire. Allez, on va essayer de labourer les champs pour construire de nouvelles fermes. On va les faire ici, tout simplement. Alors non, on va pas les faire ici. Parce que mon truc de stockage de nourriture est par là. Du coup, il serait un peu plus intelligent de les faire là. Voilà. Je pense que c'est plus intelligent de les faire ici. Alors, on y va. 3. 3. On va refaire énormément de bouffe. On va même faire des poulets. Tiens, on va faire des poulets. Hop. Et là c'est pareil. 2, 3, voilà, parfait. Alors c'est la crise, hein. Vous voyez, ils sont tous à la recherche de nourriture. J'ai pas spécialement envie qu'ils crèvent de faim. Vous voyez, ça cherche de la nourriture. Et ça, ça c'est assez critique. Hop, voilà, on va tuer les cochons. On va tuer les vaches. J'en ai pas des masses. Mais j'espère que ça leur suffira un peu pour bosser. On va leur demander de cueillir aussi. Hop, voilà. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va me permettre d'avoir le temps de construire toutes ces fermes. Donc voilà, on va faire des poulets. Hop, alors, chicken, chicken, chicken. En voilà une. Hop. Allez, dépêche-toi. Et voilà, du coup, dans mon système de nourriture, je n'ai absolument plus rien. On va demander du chicken. Chicken, il est où? Alors ça, c'est le cuit. Voilà, le cru est là. Ok, c'est parfait. On va toujours demander 5 en stock. Voilà, parfait. Du chicken, du chicken. Allez, posez-moi ça. Ici, on va faire du cochon. Toujours plus de cochon. Alors, dégage. Voilà, c'est parti. Ils sont partis chercher du chicken. C'est très bien. Toc, le cochon, il est là, il est là. Alors, on va vraiment rationner tout ça. Allez, allez, ça se dépêche. Ici, on va faire des vaches. Voilà. On va essayer aussi de faire un peu plus de champignons, de soupe. On va remettre à flot tout simplement tout ça. J'avais pas des... Ça, je les ai éteints. Ah, elles sont allumées. Attendez. Ah non, il faut que je les allume. Eh bien oui, c'est pour ça que ça ne marchait plus. Elles étaient toutes coupées à part celle-là. Bon, ben voilà. Écoutez, au moins, ça m'a permis de revoir ça. Hop. Et hop, voilà. Du coup, avec tout ça, j'espère vraiment que ça va accélérer un peu le système de nourriture. Allez, allez, allez. Le blé, voilà, c'est le blé qui me manque aussi. On va faire un peu plus de blé. On va le faire ici, le blé. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toc. Et on va même en rajouter encore un. Voilà, on va refaire du blé. J'espère que ça va aller. J'espère qu'ils vont pas crever de faim, ces abrutis. Alors, on va encore cueillir un peu. Faut dire que j'ai énormément de villageois, donc faut savoir que ça consomme. Je crois que c'est surtout les militaires qui consomment vraiment. Les militaires, c'est affolant. On va peut-être pouvoir aussi refaire des soupes. Voyons voir un peu. Ici, c'est bon, ça marche. Alors, on va cueillir des champignons. Hop. Voilà, on va en cueillir 4. Ok, en espérant qu'il les bouffe pas tout de suite.
Voilà, on se refait des champignons, ça bouffe, hein, ça bouffe, ça passe son temps à bouffer. Quelle difficile vie pour nos villageois de passer leur temps à bouffer à chaque fois. Ici c'est bon, on a pas mal de choses. Ma cuisine est suffisamment équipée, on voit 3 fours, 4 tables. Tout ça c'est pas mal, hein, ça devrait être largement suffisant. J'ai bien plus de tables et de fours que de cochons. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'un cochon apparaît, il le bouffe. Du coup, mes fermes de cochons ne se construisent pas, on le voit ici. Hein. Ils n'arrivent pas à mettre des... Si, ça y est, ils ont réussi à mettre des cochons. Ah, il faut vraiment, vraiment que ça aille plus vite, tout ça, ce système de nourriture. Il ne faudrait pas que je sois en galère. Alors, on voit que j'ai énormément d'armure en fer, c'est très bien. Alors, tout ça, c'est activé. Pas de problème. C'est activé, c'est activé. Ok, ça, c'est bon. J'avais pas mal de bois en stock, donc pas de problème avec ça aussi. Mes maisons ici sont construites, du coup je peux accueillir encore plus de villageois. Bon, ce qui n'est pas forcément une bonne idée pour le moment, puisqu'on voit que mon système de nourriture ne suffit pas. Il faudrait qu'il soit nettement plus développé. Oh là là, la galère, quoi. Allez, encore des petits champignons. Vous avez... Putain, vous avez faim. Ah, ils ont la dalle, hein, y a pas à chier, ils ont la dalle. Hein. On va leur demander de cueillir. Puisqu'apparemment ça ne suffit toujours pas. Voilà, ici il y a beaucoup d'arbres fruitiers. Donc on va leur demander de cueillir. Allez, 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 allez. Faut que ça cueille, faut y aller. Hein. On va pas se laisser démonter comme ça là. Voilà, allez, allez. Oh, j'ai de nouveaux villageois qui sont arrivés. Bon, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, hein, parce que ça va me permettre d'avoir encore plus d'armées pour foutre une branlée aux monstres. Le problème, c'est que je suis pas en mesure de les nourrir. Regardez ça cherche de la bouffe partout là. Allez, il y a un petit poulet ici. Si vous pouviez prendre le poulet et le manger. Alors, les soupes, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, même les pommes, les poires, c'est assez galère. Oh là là, quelle crise quoi. C'est vraiment la crise de la bouffe quoi. Un petit champignon ici. Voilà, ils ont pas mal de poires, pas mal de pommes. J'espère que ça va leur suffire pour manger. Au pire des cas, je vais refaire quelques petites plantations de pommes et de poires. On va refaire ça. Allez, c'est pas grave, on va pas prendre de risques. Hein, je veux pas non plus que mes villageois crèvent de faim. Voilà, on va faire ça. Ouais, ils ont chacun chopé une pomme et une poire. J'espère vraiment que ça va bien se passer. On voit, ça y est, la petite porcherie commence à se construire. Les tables aussi, c'est pareil. Ça y est, ils ont chopé la vache pour aller la bouffer. C'est parfait. On va essayer de se remettre à flot un peu. Ça devrait le faire. Ça va prendre un peu de temps peut-être, mais on va finir par y arriver. Voilà, parfait. Voilà, on aperçoit du poulet ici, de la viande. Ok, ça commence un peu à revenir. C'est très très bien. Troisième porcherie. Ça a mis du temps, mais on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Alors, pendant ce temps-là, mes stocks d'armure. Ben, vous voyez, c'est pas mal du tout. J'ai encore de la spiderite. J'ai de la pierre, du bois. Ok, ça, c'est pas mal du tout. Ça avance plutôt bien. Allez, allez, allez. J'ai pas l'impression que les monstres. Les animaux apparaissent en grande quantité. Vous voyez, il y a une époque, j'avais énormément de vaches. Et là, pop, pop, pop. En fait, je pense que dès qu'un animal apparaît, il est automatiquement pris pour être bouffé. Ça y est, les 4 porcheries sont faites. Il va manquer un peu les étables. On va partir encore à la cueillette. Hop, voilà, ici il y a des arbres fruitiers. Ici aussi c'est pareil, allez cueillez-moi tout ça, qu'on en finisse. Voilà, c'est génial, on va se mettre un peu à bosser. Alors ça a été assez délicat, on voit que ça a été... j'ai frôlé la catastrophe hein, puisque c'était la famine. Et je rappelle que si vos villageois ne mangent pas, ils meurent tout simplement. Hein. Et ça aurait été pour moi le début des problèmes. Fort heureusement, on voit que ça s'améliore. Et du coup ça devrait aller dans le bon sens. C'est parfait. Bon, ça me permet pendant ce temps-là de vérifier que tout est ok. Il faudrait pas que j'ai de siège parce que...
Enfin, quoique j'ai 15 militaires. Je suis vraiment satisfait de mes 15 militaires en plus parce que ils ont fait un travail considérable sur les niveaux 4. Ils ont vraiment foutu une véritable branlée aux adversaires. C'était assez impressionnant. Je sais pas si vous avez vu l'épisode précédent, mais c'était quelque chose. Et du coup, je suis assez satisfait de leur travail. Ils sont toujours vivants. Alors, par exemple, on aperçoit que cette zone ne sert strictement à rien. On va l'ouvrir. Ça va permettre un peu à nos militaires de se défouler. Ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fous, toi? Hep, 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 tu vas où? Non, ben non, tu détruis mes portes. Arrête ça. Arrête tes bêtises. Oh, il est remonté. Il est remonté? Ah, à mon avis, il s'est fait déglinguer. Voilà, il s'est fait déglinguer. Voilà, on avait vu un petit gobelin qui avait monté à la surface, pas de bol pour lui, il est tombé sur mon armada, toujours prêt à opérer, pas de problème. Ici, c'est sécurisé, il faudrait pas que les petits gobelins s'amusent à détruire les portes quand même. On va pas en arriver là, hein. Voilà, ça a défoulé un peu mes militaires. Et du coup, la prochaine fois, on va essayer de faire 20 militaires, on va ouvrir cette porte. Et voilà, ils vont passer par là, ils vont absolument tout défoncer, ça va être... Non, je crois peut-être que cette porte-là peut être aussi pas mal, ça va être un véritable massacre, ça va être très plaisant. Pas forcément dans cet épisode, mais on voit que... Eh, je me demande même si avec 15 militaires, non, on va essayer 20. On va faire 20 militaires pour exterminer tous ces monstres-là, ça devrait le faire. Alors, la bouffe. Faisons un peu l'état des stocks. 19 pommes, 20 poires. Alors, ça, c'est toujours pas réglé, le problème de la viande. Le pain, c'est pareil, c'est toujours pas réglé. Aïe, 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 c'est assez critique. On voit que ça s'améliore un peu. Ça y est, j'ai trois étables. J'ai des petites pommes au sol. Les cochons commencent à apparaître. Bon, ça va le faire. Il faut laisser le temps à l'économie de se relancer. Mais je suis pas spécialement inquiet. Je pense que ça va le faire. Qu'est-ce que tu fous, toi? Ça y est, tu fais une soupe. Ok, très bien, elle m'a fait une petite soupe, ça c'est très bien. On voit qu'il y a de la viande ici, de la viande crue, de la viande cuite. Qu'est-ce que vous allez foutre, vous? Ah oui, chercher des fruits, je pense. Qu'est-ce que vous allez foutre par là? Ouais, voilà, ils vont chercher des poires, des pommes. Ok, c'est très bien. J'imagine que mes barils ici sont complètement vides. Voilà, c'est pas terrible. On va refaire une dernière petite cueillette. Et ça devrait être bon. Allez, on va cueillir un grand territoire, tout ça. Et voilà, ok, ça c'est parfait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce que je peux faire de nouveaux militaires? Non, je peux pas faire de nouveaux militaires. C'est embêtant, ça. Et il me faut une autre baraque. On va essayer de se faire 20 armées, et dans cet épisode, on va tout déglinguer. Voilà, on va faire ça, quitte à avoir un peu de perte. De toute façon, c'est pas très grave, puisqu'on voit que mon système de nourriture n'est pas forcément au point. Donc, c'est pas très grave si je perds un peu de militaires. Ça fera des bouches en moins à nourrir. Voilà, on va se faire 20 militaires et on va aller tout défoncer en bas. Je pense que dans cet épisode, on va pouvoir ainsi clôturer une grande étape de la saison 2, à savoir vider la totalité du niveau 4. Et je pourrai me concentrer ensuite sur ce niveau 5 qui s'annonce assez terrible. Quand on voit le nombre de monstres qu'il y a, c'est très impressionnant. Je fais confiance à mes armées pour en venir à bout. Allez, il faut que ça se construise, ça. Ce que je vais faire comme d'habitude, je vais couper la séquence. Je vais couper la séquence et je vous retrouve quand j'ai mes 20 militaires. A tout de suite. Allez, je vous retrouve. J'ai pas encore mes 5 militaires supplémentaires. J'ai décidé tout simplement de vous montrer quand même la séquence. Ce serait dommage de couper ça. Voilà, donc là j'ai fait un full goblinite sur ce personnage-là, à part sur l'arme, puisque je n'ai plus d'arme en goblinite. Et je la convertis en soldat. Voilà, ça fait vraiment un personnage assez important. On va faire pareil. Voilà, je vais... J'ai aucune raison pour moi de vous couper cette séquence, puisque ce sont des séquences assez importantes quand même. J'ai envoyé un soldat au sous-sol pour aller s'équiper. Le problème, c'est qu'il ne remonte pas. Bon, c'est pas très grave. On va chercher encore un nouveau soldat à équiper. Regardez ça, 24 points de vie. Elle est monstrueuse. Sans être équipée, elle est déjà monstrueuse. Du coup, c'est pareil. On va l'équiper. Un casque en goblinite. On va faire un torse en spiderite. Ouh, bah regardez celui-là, il est pas mal du tout celui-là. Oh, il est génial. Allez hop, c'est parfait. On va faire des jambières en fer, puisque je n'ai que ça. Des pieds en goblinite. Et une arme. Une arme, on va en choisir une belle si possible. Ouh la vache, qu'est-ce que c'est que cette arme? 12 points de vie supplémentaires. 12 points de vie supplémentaires. Eh ben écoutez, c'est parti. Ça, je sais pas combien tu vas avoir de points de vie toi au final, mais à mon avis, tu risques d'être assez monstrueuse.
Alors tu vas où comme ça? Tu vas où, tu vas où, tu vas où? T'es parti en bas. Bon, soit. On va attendre qu'elle remonte. Son équipement, je pense, est aussi à la surface. J'espère en tout cas. Voilà, toi tu remontes, c'est parfait. Voilà, j'en avais envoyé un. Il est remonté. Hop, convertir en soldat. Ok, c'est parfait. On va attendre que la vilaine revienne. Toi, t'es pas mal du tout. T'es pas mal du tout, t'es pas mal du tout, tiens. Allez, c'est pareil, auto-équipe. Elle est revenue, c'est qui elle? Non, c'est bon, y a rien, on attend, on attend. On attend. J'espère que l'autre va revenir. Voilà, toi tu t'équipes, c'est parfait. Tac, tac. Tac, une petite arme. Et voilà, allez, un petit soldat. Bon, elle est où l'autre? Elle est là? Non, c'est pas elle. Allez, reviens, reviens, je t'ai perdu. J'espère que tu vas remonter. T'as plutôt intérêt à remonter d'ailleurs. Allez, 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 allez. Bon, je vais peut-être falloir que j'aille la chercher. Je vais attendre encore quelques secondes et si elle remonte pas à la surface, je sais qu'elle est partie en bas pour aller s'équiper, puisqu'apparemment je lui ai attribué une armure qui n'était pas en stock. Mais je la vois pas revenir pour autant. Toi, gros. Eh ben écoutez, c'est parfait. Voilà, tu vas faire mon dernier soldat. Je vais t'attendre ici. Je vais aller la chercher, l'autre. Je vais aller la chercher parce que elle a pas l'air décidée à remonter à la surface. Toc. Toi non plus. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez à partir à droite, à gauche là? Ce serait bien que tu remontes. On va les attendre, on va les attendre. Allez, elle revient, ça y est, elle est là. Hop. Et pourquoi tu peux pas prendre... Non, 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 non. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre... Crois-moi, ceci. Et oui, je t'attends ici, t'as intérêt à remonter. T'as intérêt à remonter, ma grosse. Allez, le gros aussi. Putain, c'est pas facile de les gérer, les soldats. Hein. Vous voyez? Allez, 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 allez. Bon, je vous coupe la séquence, je vous retrouve dès qu'ils sont montés. Ça sert à rien d'attendre. Allez, je vous retrouve, ça y est, elle est remontée. Et regardez ça, c'est assez impressionnant. 39 points de vie. Je n'ai jamais eu ça. Voilà, j'ai jamais vu ça. 39 points de vie, c'est énorme. Une capacité d'attaque de 42, capacité de défense de 50. Alors, elle n'a pas énormément de dommages, effectivement, puisqu'elle fait 9, alors que les autres font autour de 14. Mais elle a énormément de points de vie. J'espère qu'elle va aller à l'hôpital pour se soigner. Ce serait vraiment sympathique de sa part qu'elle aille à l'hôpital pour reprendre ses 39 points de vie. Parce que là, c'est juste monstrueux. 39 points de vie, waouh, waouh, je souhaite bonne chance à ses adversaires. Alors, il m'en manque un. Je l'ai perdu. Il est parti s'équiper. Et je ne l'ai jamais retrouvé. Voilà, je vais voir si je peux pas le retrouver ici. Est-ce que c'est toi? Non, je pense pas que ce soit toi. Oh là, j'en ai perdu un, je crois. Tiens, toi! Et voilà, c'était toi. Allez, paf, convertir en soldat. Ça y est, j'ai mes 20 militaires. J'ai mes 20 militaires, on va faire un massacre. On va faire un massacre. Je vais juste m'assurer qu'il n'y en ait pas trop qui dorment quand même. Apparemment, c'est pas le cas. Eh bien, écoutez, on va faire un massacre. Voilà, j'ai 20 militaires. On va ouvrir la porte. Et on va se débarrasser, je pense, une bonne fois pour toutes, de tous les monstres du niveau 4. Alors, quelle porte on va ouvrir? On va ouvrir celle-là. Je pense que celle-là, c'est pas une mauvaise idée en soi. Ouais, on va ouvrir celle-là. Allez, c'est parti. C'est parti pour le massacre. 20 militaires avec au moins 5 en full goblinite, 5 en full spiderite. Ça va faire un carnage. Je vous le dis, on va s'éclater et on va surtout les éclater. Je m'excuse d'avance pour le bruit que ça va occasionner. Vous le savez, hein, les bruits dans ce niveau-là. Ouh la vache. Ouh, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Allez, défendez-la, défendez-la parce que là, elle est toute seule comme une bécasse, là. Elle va crever. Ouf, c'était chaud. Mais ça y est, ils sont arrivés à temps. Ça y est, ils sont là. C'est parfait. Allez, allez, on se sépare. Oh là là, il y a des monstres à droite. J'espère que... Oh là là là, j'espère que vous allez revenir par là. Parce que là, là, il y a des créatures et ça m'arrange pas du tout. On va essayer de poser une porte. Ça m'arrange pas parce qu'à droite, vous le voyez, il y a des créatures. J'espère que vous n'allez pas y aller. N'allez pas par là, s'il vous plaît. N'allez pas par là. Voilà, le groupe est lancé. Il est absolument imbattable, hein, ce groupe-là. Là, vous pouvez tout faire ce que vous voulez. Ils sont bien trop nombreux. Regardez ça, ils sont au moins 5. Allez, allez, allez. Il y en a deux qui arrivent.
J'espère que la porte arrive. Ce serait vraiment sympa que la porte arrive, que je verrouille ici parce qu'on a des monstres juste à côté. Allez, ça arrive en plus. Oh là là, je regardais ça. Méga baston, méga baston. Ah, je suis... Voilà, je fais une petite pause. Je suis désolé pour le bruit. C'est vraiment très désagréable, j'en conviens. Mais là, là, il y a une baston. Oh la vache, là, il y a de la baston. Ok, tous mes soldats sont sortis victorieux. Est-ce que la porte a été posée? La porte a été posée, on verrouille. Hop, voilà, je verrouille. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon, c'est verrouillé. Ok, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à suivre cette immense armada. Mince! Ils se sont séparés en deux groupes. Et là, on a un groupe seulement de deux personnes contre tous ces monstres-là. Ouh, aïe, aïe, aïe. Ouh, aïe, aïe, ça risque d'être tendu. Là, il va y avoir des pertes. Là, il va y avoir des pertes. Ouais. Ils étaient que deux. Ils étaient que deux face à au moins une bonne dizaine, voire une quinzaine de créatures. Ils n'ont pas fait le poids. Donc, les deux premières pertes depuis longtemps. Moi, c'est pas grave. Ça fait partie de la guerre. On peut pas non plus... Ok, c'est parfait. Il en reste un là-haut, les gars. Vous allez le buter. Allez, vengeance est faite. Vengeance est faite. Elle a encore quelques créatures, décidément. Allez, globalement, ça devrait aller. Attention, il est tout seul. Faut l'aider, faut l'aider, faut l'aider, faut l'aider. Voilà, parfait. On voit que les foules goblinites ne rigolent pas. Oh la vache, ils ont encore tous leurs points de vie. Il n'y en a pas un qui a bronché. Ça, c'est parfait. Oh non, il s'est... Putain, il était tout seul, il est mort. Allez, ça, je déverrouille. C'est parfait. Il reste encore une petite créature là-haut. On va déverrouiller ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il reste un monstre là-haut. Pourquoi vous ne le tuez pas? Non, pourquoi tu vas, toi, abruti? Ok, il l'a eu. Alors ça se bastonne encore, je serais curieux de savoir où. Il y a de la baston, apparemment c'est fini. Ok, ça se trouve ici, la baston. On va ouvrir. Alors, on va ouvrir. En espérant... que les militaires arrivent très rapidement. Regardez le nombre de goblinites que j'ai en stock là, de spiderite. En plus, j'ai trouvé plein de nouvelles armes au sol. Il y a une très très grosse récolte à faire. Allez, les deux, ils arrivent. 1, 4, c'est parfait, ça devrait suffire. Ok, on a mes deux full goblinites en plus. Ok, c'est parfait, mission accomplie. Il me reste plus que, je crois, ici. Eh bien, écoutez, on y va. On va déverrouiller cette zone-là. Et ça devrait être la fin du niveau 4. Il ne reste plus que ces créatures. Hein. Je pense que... Je vais regarder. Ouais, j'ai vidé la totalité du niveau. J'ai eu 3 pertes. 3 pertes, c'est vraiment raisonnable. Pas de problème avec ça. J'assume. Ça fait partie de la guerre. Hein. On peut pas non plus... Ouais, ça, ils arrivent en masse. Ils vont leur foutre une véritable branlée. Ça va me permettre... Regardez ça, il y a des armures au sol. Armure verte, armure bleue, beaucoup de spiderite, de la goblinite, ça va me permettre de refaire les stocks. Allez, toi tu vas tout seul comme un grand, t'as besoin de personne. Et voilà, ça y est, mission accomplie, la totalité du niveau 4 a été vidée. Le niveau 3 dans les épisodes précédents, le niveau 4 ici est accompli. C'est un véritable succès, encore 17 militaires. Je vais, dans les prochains épisodes... préparer une future expédition pour aller là-dedans. Et vous voyez, là par contre ça rigole pas. Ils sont énormément. Ça risque d'être assez tendu. Ok, allez, mission accomplie. J'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette aventure. Je regarde juste un peu l'état des stocks. J'ai 65 poires, 27 pommes. J'ai pas encore énormément de steak, mais on voit qu'ils ont largement de quoi manger. Ok, c'est très bien, ça s'annonce très bien. On se retrouve très bientôt pour la suite. À la prochaine, salut à tous.